Bonjour, je reste encore dans le monde de la lactofermentation cette fois-ci et je vous présente des citrons confits. Alors les citrons confits, ce sont des citrons au sel, fermentés au sel. Il ne s'agit pas du tout de citrons sucrés. Ces citrons confits, on les voit souvent dans les tagines, citron olive par exemple. Mais sachez qu'on peut les utiliser dans plein d'autres recettes, j'y reviendrai à la fin de cette vidéo. Cette année, j'ai fait beaucoup de citrons confits. Là, j'en ai encore 3 bocaux à la cave. Néanmoins, j'en fais un autre petit pour vous montrer comment on fait. J'utilise une recette très simple, peu délicate, avec une très bonne probabilité de bien fonctionner. On voit beaucoup de recettes où les citrons confits sont entiers. C'est plus délicat à réussir et ça demande un peu plus de travail. Donc avec la recette que je vous présente, le résultat est très bon et c'est facile à faire. Donc, pour les proportions, c'est facile. Il faut compter une cuillère à soupe de gros sel non traité pour un citron. On prend un citron bio non traité. On le nettoie bien quand même à l'eau chaude. Je coupe les extrémités et je le coupe en 4. Dans un petit saladier, je mélange avec la cuillère à soupe de gros sel. Je laisse comme ça reposer une quinzaine de minutes à une heure, selon ce que j'ai à faire pendant ce temps-là. Ensuite, avec une fourchette, je perce les quartiers pour en extraire le jus. Et je dépose le tout dans un bocal à caoutchouc. Donc les quartiers que je tasse bien dans le fond. Je verse le reste du sel et du jus dessus. Je tasse une nouvelle fois bien. Si j'ai pas assez de jus pour arriver jusqu'en haut du bocal, je rajoute un petit peu d'eau. Je mets un poids pour m'assurer que les citrons vont bien rester immergés. C'est important parce que lorsqu'ils sortent du liquide, ils prennent une couleur grisâtre et ils sont beaucoup moins bons. Ça m'est arrivé une seule fois. Je referme le bocal et dans un mois, ce sera prêt à déguster. Donc, je reviens aux recettes à réaliser avec ces citrons confits. Il y a évidemment donc les tagines, poulet, citron confit, olive qui sont absolument délicieux. Vous trouverez plein de recettes sur internet. J'utilise en fait les citrons confits pour d'autres recettes. J'ai lu dans un livre sur le zéro déchet qu'on pouvait utiliser les citrons confits à la place du citron dans toutes les recettes. Alors, j'ai pas essayé dans toutes les recettes, mais par exemple, je l'utilise souvent pour le taboulé. Alors, c'est un taboulé pas du tout traditionnel, on va dire, à ma façon, dans lequel je mets du citron confit. Ça donne un goût très citronné, très agréable. C'est aussi absolument délicieux dans le houmous, par exemple. J'ai filmé la recette du taboulé, donc vous la verrez bientôt sur ma chaîne. D'ici là, vous pouvez regarder d'autres vidéos sur ma chaîne, sur le thème de la lactofermentation. Vous les voyez dans le i qui apparaît en haut à droite. Si ce n'est pas encore le cas, pensez à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir les notifications quand il y a de nouvelles vidéos qui sortent ou que je poste quelque chose dans l'onglet communauté. Ça peut être des photos ou des recettes que je fais en plus des vidéos. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. À bientôt!